Ah, nous voulons te voir et te contempler. Et déjà ce matin, Seigneur, nous voulons te voir. Oh Jésus, tu viens. Tu viens. Merci. Merci. Comme je l'ai dit au commencement de ce culte, je le répète maintenant pour tous ceux qui sont venus après. Nous avons la grande joie d'avoir le pasteur Bondo avec nous, qui est un ancien de la Borne, il y a bien des années, 25 ans. Le Seigneur l'a appelé, le Seigneur l'a modelé selon ce qu'il voulait faire de lui. Jusqu'à maintenant, il est en Belgique. Il a une bonne église là-bas en Belgique. Le Seigneur le bénit dans son ministère. Il passe maintenant à Kinshasa. Et je suis heureux qu'il nous donne du temps. À vous la parole, mon frère. Je crois que nous devons lever la main du chef. Bien, bonjour à tous. Je voudrais vous dire combien je suis très heureux d'être parmi vous ce matin, très heureux de partager ce moment de communion avec vous dans la présence de celui qui nous a tellement aimés et qui a donné sa vie à la croix du calvaire. Avant de vous partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, une pensée qui me poursuit, qui me pourchasse, au point de me donner des insomnies certaines nuits, je voudrais d'abord, si vous le permettez, que je rende grâce à Dieu pour le privilège qu'il m'accorde ce matin d'être dans ces lieux qui m'a vu naître. Alléluia. Pour répondre à la question du pasteur, je suis arrivé pour la toute première fois dans ces lieux à la fin de l'année 1984. C'était au mois de décembre, je me souviens très bien. Et en janvier 85, j'ai donné ma vie au Seigneur. Là, ma merveilleuse aventure avec le Seigneur commença. Et par sa grâce, elle se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Alors, vous comprenez pourquoi je suis très heureux, en même temps très ému. Puisqu'à chaque fois que le Seigneur me fait revenir dans ces lieux, c'est pour réaliser combien il est merveilleux. Alléluia. Combien il est grand. Combien il est fidèle. Combien à partir du néant, il peut faire quelque chose de merveilleux. Merci, pasteur, pour l'opportunité de partager ces moments avec notre assemblée. Et merci à chacun de vous, non seulement vous qui êtes là, mais également ceux qui nous suivent par écran interposé, ceux qui nous suivent à la radio, que le Seigneur puisse vous bénir tous. Ce matin, je voudrais vous inviter à me rejoindre quelque part où je suis, comme je venais de le dire, depuis déjà plusieurs mois. Je voudrais qu'ensemble, nous puissions passer ne serait-ce que quelques instants, le temps d'un culte, le temps d'une prédication. Et si tel est notre cas, si nous le faisons de tout notre cœur, je suis convaincu, quelque chose se passera. Alléluia. Je voudrais que vous puissiez me rejoindre sur la montagne de la transfiguration. Je voudrais qu'ensemble, nous puissions entrer dans cette vision que les trois disciples Pierre, Jean et Jacques contemplèrent. Que nous puissions entrer dans cette expérience que le Maître lui-même fit alors qu'il était sur cette montagne. Mais avant cela, je voudrais vous inviter à lire avec moi dans Luc, chapitre 9. Luc, chapitre 9, nous lirons à partir du verset 28 jusqu'au verset 36. Huit jours environ s'écoulèrent après qu'il eut dit ces paroles,
Puis Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea, et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici que deux hommes s'entretenaient avec lui, c'était Moïse et Élie, qui apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ ou de sa mort qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais ils se tinrent éveillés et virent la gloire de Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas en effet ce qu'il disait. Comme il parlait ainsi, une nuée vint les envelopper. Et les disciples furent saisis de crainte, tandis qu'ils entraient dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit, « Celui-ci est mon fils élu. Écoutez-le. » Quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul. Et les disciples gardèrent le silence et ne racontèrent à personne en ce jour-là rien de ce qu'ils avaient vu. Amen. L'apôtre Pierre le fera beaucoup, beaucoup de décennies plus tard, plusieurs dizaines d'années plus tard, écrivant ses lecteurs, il leur rappellera cette expérience qu'il avait profondément marquée, cette expérience qu'il avait profondément métamorphosée, littéralement. Cette expérience sur cette montagne de la transfiguration. Lors d'une de mes lectures, j'ai eu le plaisir de tomber sur un proverbe africain qui dit ceci, en gros, chaque matin, une gazelle se lève en sachant qu'elle doit courir plus vite que le lion le plus rapide, sans quoi elle se fera dévorer. Et chaque matin, un lion se lève, sachant qu'il doit courir plus vite que la gazelle la plus lente, sans quoi il mourra de faim. Et le proverbe d'ajouter, alors donc, que tu sois une gazelle ou un lion, chaque matin, tu as intérêt à courir. Gloire à Dieu. Pour la gazelle et le lion de la brousse africaine, courir est une priorité et en même temps une nécessité vitale. C'est dans la mesure où cette priorité est respectée dans la vie et de la gazelle et du lion, qu'alors ces deux animaux pourront vivre, je ne dirais pas en intelligence, mais pourraient continuer à vivre, à couler paisiblement, entre guillemets, leur jour dans la brousse africaine. Il y a, frères et sœurs, des priorités et des nécessités vitales dans la vie de tout chrétien. Si nous n'apprenons pas à les découvrir, si nous n'apprenons pas à mettre ces priorités à leur place, croyez-moi, nous n'irons pas loin dans notre marche avec le Christ. Croyez-moi, il ne sera pas étonnant que nous fassions naufrage par rapport à notre foi. Il ne sera pas étonnant qu'un jour, nous nous arrêtions en cours de marche et abandonnions la course. Des priorités, il y en a. Et je vous dirais que dans la plupart des cas, beaucoup de chrétiens ont des problèmes. Beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à avancer. Ils ont l'impression de faire du surplace. Ils vivent un statu quo dans leur vie, tout simplement parce qu'ils confondent ce qui est superflu, ce qui est artificiel, de ce qui est nécessaire, de ce qui est une véritable priorité pour eux. Pour un étudiant, les études restent une priorité, oui ou non. Supposons qu'un étudiant mette sur le même pied d'égalité et ses études, et ses amis, et ses plaisirs, et ses hobbies. Croyez-vous que cet étudiant réussirait? Je vous pose la question. Pour deux personnes mariées,
Eh bien, chaque conjoint est une priorité. Si vous mettez votre conjoint sur le même pied d'égalité que votre collègue au travail, si vous considérez votre épouse comme la bonne de votre maison, si vous la mettez sur le même pied d'égalité que vos autres connaissances, ça ne serait pas étonnant que votre ménage tourne en faillite, oui ou non. Donc, il est important dans notre vie que nous puissions apprendre à connaître quelles sont les priorités, à connaître ce qui est vital, ce qui est nécessaire. Et donc, en tant que disciples, cette vérité nous concerne, car la vie chrétienne n'est pas une vie statique, c'est une vie dynamique, alléluia. Nous sommes appelés à avancer chaque jour qui passe, à aller de gloire en gloire. Nous sommes appelés chaque jour à ressembler davantage à Christ. Nous sommes appelés à aller de l'avant. Mais cette marche ne peut pas nous permettre d'aller de l'avant. Nous ne pouvons pas avancer si nous n'apprenons pas à mettre les priorités à leur place. Quelle est alors la priorité pour un enfant de Dieu? Quelle est alors la chose qui est nécessaire, indispensable pour lui? En lisant la parole de Dieu, aussi bien l'Ancien Testament comme le Nouveau Testament, nous pouvons nous rendre compte d'une évidence, c'est que toutes les recommandations du Seigneur, toutes les instructions de la parole de Dieu, tous ces commandements convergent vers une seule vérité, que nous soyons saints comme il est saint. Alléluia. Que nous lui ressemblions en toutes choses. Voilà le but de la vie chrétienne. Que nous puissions manifester Christ en nous. Qu'on le voit au travers de nos actes. Qu'on le voit au travers de nos paroles. Alors nous connaîtrons le véritable succès. Ressembler à Christ. Être comme lui. Lui ressembler en toutes choses. Voilà, mes amis, la priorité. Si vous venez ici, ce n'est pas simplement pour vous laisser bercer par cette musique extraordinaire. Si vous venez ici, ce n'est pas simplement pour rencontrer des amis. C'est une bonne chose, car l'Église est aussi un lieu où on rencontre et on crée des amitiés, de véritables amitiés. Je rends grâce à Dieu. Quand je me suis converti, j'ai tout de suite compris cette vérité. Il fallait que je tourne le dos à toutes mes anciennes connaissances. Car tant que j'étais avec eux, elles représentaient une véritable menace pour ma foi. Et en même temps, Dieu, dans sa grâce, ici, il a mis sur ma route des hommes qui sont devenus de véritables amis et qui m'ont aidé à grandir, à croître dans la grâce. Gloire à Dieu. Parler de la ressemblance à Christ en toutes choses, c'est parler de cette vérité fondamentale de la parole de Dieu, selon laquelle nous sommes appelés à être saints. Et parler d'être saint pour l'homme, c'est parler, en d'autres mots, d'un processus dynamique de transformation, une transformation profonde, et ce, à l'image du Maître. Gloire au Seigneur. C'est parler de la métamorphose. Gloire au Seigneur. La métamorphose que nous sommes appelés, mes amis, à subir. Et cette métamorphose, cette transformation, concerne tout notre être. Et je voudrais que nous puissions comprendre notre être concerné. Car ce qui est important pour Dieu, ce n'est pas tant ce que nous faisons pour lui. Croyez-moi, il est capable de susciter à partir des pierres des hommes aussi spirituels que nous, ou même plus, oui ou non. Ce que nous pouvons faire pour le Seigneur n'est pas l'important, mais ce qui est important, c'est ce que nous sommes pour lui. Gloire au Seigneur. Car ce que nous sommes pour lui est appelé à rester éternellement. Nous ne prêcherons pas toute notre vie. Viendra un temps, sous le poids de l'âge, nous nous mettrons à l'écart.
Mais cependant, nous continuerons à le servir dans l'adoration, dans la louange. Ce que nous sommes, mes amis, vaut plus que ce que nous pouvons être, ou nous pouvons faire plutôt. Et dans une société, ou dans nos sociétés, où le rendement et la productivité sont de plus en plus promotionnés, où les gens sont évalués en fonction de leur rendement, de leur productivité, quel que soit leur être, il est plus qu'indispensable que nous revenions à la simplicité de la parole qui, elle, voit d'abord et avant tout l'être. Car c'est l'être qui intéresse Dieu. C'est l'être qui doit changer. Et je crois dans notre pays, ce dont nous avons besoin, c'est des hommes et des femmes qui sont véritablement métamorphosés. Des hommes qui un jour sont montés sur la montagne. Et quand ils sont redescendus de cette montagne, ils ont compris ce que c'est la vraie vie. Oui, être comme Christ, être comme lui, voilà la priorité. Voilà, mes amis, une nécessité vitale pour chacun de nous. Être métamorphosé afin de rayonner de sa gloire. Voilà ce que le Seigneur attend de chacun de nous. Car le monde attend la révélation du Fils de Dieu, oui ou non? Le monde a besoin de voir Christ en nous. Voilà pourquoi, depuis l'aube des temps, depuis la chute de l'homme, depuis que le péché, cette terrible et horrible réalité, fait partie de l'existence humaine, Dieu a toujours cherché un homme. Alléluia. Pendant que nous cherchons à élaborer des stratégies, pendant que nous essayons de trouver des voies et moyens pour faire avancer l'œuvre de Dieu, Dieu, lui, cherche un homme qui va travailler, qu'il va transformer, qu'il va rendre conforme à son image. Car cet homme-là, eh bien, devient la solution au problème de Jean. Gloire au Seigneur. Les trois disciples, Pierre, Jean et Jacques, sont emmenés par le Seigneur sur une haute montagne, ajoute l'évangéliste Marc. Parmi les sept disciples, il y en a plus trois. Ce n'était pas la première fois qu'ils se retrouvent avec trois. Il les amène sur cette montagne. Et là, ces hommes vont faire une expérience extraordinaire, vont recevoir une vision glorieuse du Seigneur Jésus. Notez bien que ces trois avaient déjà été avec le Maître sur une autre montagne. La montagne sur laquelle il avait fait le fameux sermon qu'on appelle le sermon sur la montagne. Et il avait entendu parler dire que vous êtes, s'adressant à eux bien sûr, et d'autres disciples qui étaient là, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre, alléluia. Que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans le ciel. Avant cela, Pierre, à un moment le Seigneur leur demande, « Mais vous qui êtes avec les gens, qui côtoyez les foules, dites-moi un peu, qu'est-ce qu'ils pensent de moi ?»« Ah oui Seigneur, il y en a qui pensent que vous êtes un des prophètes qui serait revenu. D'autres disent que vous êtes le prophète Élie. D'autres disent que vous êtes Jérémie. D'autres disent encore que vous êtes Jean-Baptiste ressuscité, puisqu'entre-temps il avait été décapité. » Alors le Seigneur leur dit, mais et vous donc, qui dites-vous que je suis? C'est alors que Pierre, ayant reçu la révélation de Dieu, lui dira, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Le Seigneur le regarde et lui dit, Pierre, tu es heureux. Non pas parce que désormais tu vas porter un nouveau titre de bishop, trichop, tout ce que vous voulez. Pierre, tu es heureux. Non pas parce qu'il y a ceci ou il y a cela, tu es heureux Pierre, parce que ce n'est ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé cela, mais bien mon Père qui est dans le ciel, alléluia. Tu es heureux,
à cause de cette révélation. Et là, le même Pierre, nous le retrouvons sur cette haute montagne, qui pourrait être le mont Hermon, puisque c'est en Galilée, donc vers le nord, ou le mont Tabor, peu importe le nom de cette montagne. Et là, le même Pierre va voir le Seigneur sous un autre angle. Le même Pierre, avec Jean et Jacques, sur cette montagne, ils vont se laisser gagner par le sommeil. Il faisait nuit, ils étaient peut-être fatigués, et au bout d'un certain temps, eh bien le sommeil a eu raison d'eux. Ils sont tous sombrés dans le sommeil, jusqu'à ce qu'ils soient réveillés. Qu'est-ce qui les a réveillés? Ils dormaient profondément. D'abord une chose, le Seigneur ne les avait pas amenés sur cette montagne pour qu'ils dorment, pour qu'ils se reposent, oui ou non? S'il les avait amenés, c'est qu'il avait quelque chose à leur communiquer. Car le Seigneur ne se contente pas simplement de dire aux gens, « Je suis la lumière », mais en même temps, il leur démontre qu'il est véritablement la lumière dont ils ont besoin. Il ne se contente pas simplement de leur dire, « Je suis le chemin », il leur montre qu'il est véritablement le chemin. C'était l'heure, en quelques mots, de la pratique. Là, sur cette montagne de la Transfiguration, l'évangéliste Matthieu ajoute des détails, quelques détails supplémentaires, en disant, le visage du Seigneur resplendit comme le soleil. Je voudrais que nous nous arrêtions un peu sur ces mots et que nous essayions de comprendre leur force. Vous savez, à force de lire la Bible, on acquiert un certain réflexe qui consiste à passer outre les mots, voyez, sans savoir s'arrêter, essayer d'entrer dans ces mots, de regarder autour et alentour de ces mots et de comprendre le sens profond que ce mot transporte ou porte. Et ces vêtements deviennent blancs comme la lumière. Quelle vision extraordinaire! Le terme utilisé dans Luc est traduit par « une éclatante blancheur » fait référence à la lumière de l'éclair. Vous avez tous déjà vu un éclair, oui ou non? Essayez un peu de vous imaginer cette lumière-là. Voilà, mes amis, l'expérience à laquelle ces trois personnes vont assister. La lumière qui se dégage de son visage, ses vêtements qui rayonnent, et ceci a pour effet d'irradier ces trois disciples qui dormaient et de les réveiller. Et quand ils se sont réveillés, oh gloire à Dieu, non seulement ils ont vu le Seigneur transfiguré, métamorphosé, mais ils ont vu des réalités spirituelles qui jusque-là ne relevaient que de la Bible, des personnages qui n'étaient que livresques pour eux, Moïse et Élie. Mais là, sur la montagne de la Transfiguration, ils deviennent une réalité. L'Ancien Testament est vivant. Ce n'est pas seulement Moïse dont on nous a toujours parlé, le Moïse que nous avons appris, mais Moïse est là en chair et en os. Élie est là, et au milieu, le Fils de Dieu. Au milieu, le Christ, l'accomplissement de la loi et des prophètes. En même temps, ils acquièrent une grâce particulière, une faculté de discerner que c'était véritablement Moïse et Élie. Notez bien qu'à cette époque, la photographie n'existait pas. Il n'y avait pas tout ce support d'imagerie. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de regarder la photo de quelqu'un, de se dire, mais tiens, ah, c'est comme ça qu'il était. Ah, ok. Une personne peut avoir vécu il y a 50 ans, et aujourd'hui, grâce à la photo, grâce à toutes ces images télévisées et autres, on peut voir comment elle était. Ce qui n'était pas le cas à cette époque-là. Ils acquièrent une faculté surnaturelle et réalisent que ces deux êtres célestes, qui sont de part et d'autre du Maître, sont Moïse
et Élie. Ça les a tellement bouleversés. Pierre encore, lui, il était toujours le premier à parler. Il dit, Seigneur, c'est pas possible.